Okay, you can hear me? It's okay. Okay, so first of all, I would like to thank the organizer of this conference, Shane Wallace, and especially David Amendola, for having invited me and associated me with the scientific event whose problematic has been preoccupying me for a few years. I am therefore very happy, very pleased, first of all, to be able to learn new things about this topic, but also to be able to share my ideas on it with the participants of this conference. Before starting, I would like to make two preliminary remarks. The first remark concerns the language. Originally, the organizer had assured me that the French was perfectly acceptable in this setting. Having received the program, I realized that I was the only one who had chosen not to speak English. Despite this, and after some hesitation, I decided to stick to my original choice, and I hope that will not be cause any problem in our communication. And of course, I'm ready to answer any question in English if there is any question. So I'm going to switch to French. Et la deuxième remarque concerne le sujet. Et sollicité par les organisateurs de cette conférence, je dois souligner que ce que je vais présenter résume en quelque sorte mes anciens travaux sur l'effet Bie notamment. Je vais essayer de synthétiser ce qui dans ces travaux concerne la problématique dont nous nous occupons ici. Il me semble que certaines de mes conclusions peuvent apporter des éléments de réflexion à notre sujet. Et j'ai en outre l'impression que certaines de ces conclusions n'ont pas suscité suffisamment de réactions positives ou négatives parmi celles et ceux qui ont fait l'honneur de citer ou de recenser mon livre. Donc, pour cette raison, je serais très heureux de connaître votre opinion. En raison du caractère lacunaire de nos sources en histoire ancienne, sans doute davantage qu'en d'autres domaines d'histoire, certaines opinions communes qui paraissent d'emblée justes sont difficiles à démontrer. L'influence des institutions athéniennes sur les institutions des cités grecques du monde hellénistique est précisément l'une de telles opinions. Si dans un décret provenant d'une petite cité de Lycie, nous retrouvons la formule « edoxeteboule kaitodemo », nous concluons aussitôt que le régime de cette cité avait été influencé par le modèle de la démocratie inventée à Athènes, où la procédure d'adoption du décret était fondée sur la collaboration entre le Conseil et l'Assemblée, ce que nous appelons dans le jargon épigraphique procédure problématique. Toutefois, si nous voulons aller au-delà de cette constatation banale, nous nous heurtons aussitôt à une série de difficultés. Tout d'abord, parce que le travail pionnier de Heinrich Svoboda et celui plus récent de Peter Rhodes et David Lewis ont montré que cette procédure problématique de base, d'origine certainement athénienne, a connu dans le monde grec une multitude de variantes. Il est donc évidemment impossible d'établir des filiations dans le sens philologique du terme entre ces différentes variantes. Ce qui est d'une manière générale frappant, et c'est ce dont nous parlons ici, ce qui est d'une manière générale frappant pour toute personne étudiant les institutions des cités grecques, c'est justement cette prédilection des cités à retravailler des modèles empruntés pour leur donner un coloris local. Et le deuxième problème, et comme je le définirai comme suit, pour pouvoir affirmer qu'entre deux procédures ou deux institutions qui apparaissent dans deux cités, il existe une filiation, il ne suffit pas de constater leur ressemblance évidente. Il faudrait en outre pouvoir expliquer comment, par quels moyens et en vertu de quelles décisions une telle procédure ou institution a été transmise de l'une cité à l'autre. Or, c'est une question à laquelle, à quelques exceptions près, nous n'avons pas de réponse. Nous pouvons dire donc que dans le monde des cités, des idées circulent, mais nous avons du mal à préciser les modalités concrètes de cette circulation. Ces avertissements méthodologiques ne m'empêchent pas de croire que la circulation des procédures, des institutions, voire d'une manière générale des idées, dans le monde des cités hellénistiques, est un sujet fort important. Par conséquent, tout élément supplémentaire que l'on peut ajouter à cette discussion est précieux
Dans ce qui suit, je vais ajouter un tel élément parlant de la diffusion des institutions éducatives et plus particulièrement de l'éphébie dans le monde grec. Il s'agit d'un cas intéressant à notre conférence, car la paternité athénienne de l'éphébie peut être, à mon avis, démontrée et que par conséquent, sa diffusion dans le monde des cités hellénistiques peut être interprétée comme la reprise du modèle athénien originel. Mais ce cas est également intéressant pour une deuxième raison. Il illustre parfaitement ce que je viens de dire au sujet de la tendance des cités grecques à modifier des modèles empruntés pour leur donner une nouvelle forme locale. De même que dans le domaine des régimes politiques, on voit une grande variété de divergences locales par rapport au modèle de la démocratie athénienne. De même, le modèle d'entraînement des jeunes gens qui se diffuse dans le monde hellénistique accuse de nombreuses modifications par rapport à celui qui est attesté dans l'Athènes du IVe siècle. Donc, je vais justement aborder ces deux questions. D'abord, je résumerai les arguments en faveur des origines athéniennes du modèle de l'entraînement des jeunes, de l'éphébie notamment, tel qu'on voit à l'œuvre dans les modèles hellénistiques. Et deuxièmement, je présenterai quelques divergences par rapport à ce modèle. Donc, permettez-moi d'abord de rappeler quelques informations de base concernant l'éphébie athénienne qui constitue ce modèle, selon mon interprétation, des institutions analogues attestées dans d'autres cités du monde hellénistique. L'époque, l'éphébie athénienne du IVe siècle peut être définie au niveau pratique comme un entraînement militaire intensif de 2 ans et au niveau symbolique comme un rite d'intégration des jeunes Athéniens à la communauté des citoyens adultes. Sa date de naissance échappe à notre connaissance, mais il y a des bons arguments pour la situer dans la première moitié du IVe siècle. Ce service semble ne pas être obligatoire au départ, car les éphèbes devaient s'entretenir à leurs frais. La situation change radicalement après la bataille de Chéronée, qui paradoxalement suscite à Athènes un élan patriotique, et c'est dans cette atmosphère patriotique que les Athéniens votent une loi appelée, d'après son proposant, « loi d'Épicratès », dont l'objectif consistait à allouer un budget élevé au financement de l'éphèbie, permettant de la sorte à tout jeune Athénien de 18 ans d'accomplir ce service. Solution coûteuse, ce financement de l'éphébie par la cité n'a pas duré très longtemps. Lorsqu'après la chute de la tyrannie de Démétrios de Phalère en 307-306, les Athéniens ont restauré la démocratie et le service éphébique est disparu sous le régime précédent, ils ont opté pour une éphébie annuelle et subventionnée par les éphèbes eux-mêmes, ce qui a évidemment eu pour conséquence une baisse d'effectifs. Donc, vous voyez ces 3 étapes de l'histoire de l'éphébie, et certains chercheurs considéraient jadis et continuent à considérer aujourd'hui que l'éphébie athénienne fut créée seulement en vertu de la loi d'Épicratès. Donc, pour dire schématiquement, il n'y avait que 2 étapes de l'histoire de l'éphébie. Moi, je ne me sens pas convaincu par leurs arguments sur ce point, comme l'a démontré jadis Philippe Gauthier, à mon avis, une allusion claire et univoque au service éphébique se trouve déjà dans le traité des Xénophons, rédigé vers 355, et je crois qu'il existe un témoignage épigraphique sur l'éphébie antérieure à la loi d'Épicratès. Voilà. Donc, instaurée à Athènes dans la première moitié du IVe siècle, l'éphébie apparaît ensuite dans plus d'une centaine de cités du monde hellénistique, de même que dans l'Égypte lagide, où elle fonctionne également en dehors du contexte de la cité. Il faut souligner que toutes les attestations non athéniennes sont postérieures aux conquêtes d'Alexandre. Le premier cas est celui d'Érétrie, où l'éphébie apparaît peu après le diagramme de Polyperchon. Le deuxième cas daté avec assurance est celui d'Émilée, où les éphèbes sont mentionnés dans un décret de la fin des années 260. Je vais revenir à ce texte ultérieurement. Évidemment, cette constatation concernant la chronologie de nos premières attestations de l'éphébie et de l'antériorité de l'éphébie athénienne par rapport à d'autres cas connus de cette institution
ne suffit pas pour parler de la reprise du modèle athénien dont d'autres citaient. Quels sont alors mes arguments pour soutenir que l'FMI instauré dans les différentes cités du monde hellénistique imite le modèle athénien? L'argument principal est fondé sur la terminologie. En dépit de l'usage du terme éphébos, dans de nombreux travaux modernes, qui est souvent utilisé dans le sens large pour dire adolescent, ce terme créé à Athènes au moment de l'instauration de l'FMI est à l'origine un caractère exclusivement technique institutionnel. Ce caractère exclusivement technique institutionnel est préservé tout au long de la période du IIIe siècle et encore très longtemps pendant au IIe siècle, puisqu'il s'agit d'un terme institutionnel athénien qui est apparemment repris dans d'autres cités. On peut supposer que cette influence terminologique athénienne exprime également une influence athénienne en ce qui concerne la forme même de l'institution. Et je vois la confirmation de cette interprétation dans le cas cyrénéen que je vais citer ici. Donc, la documentation épigraphique provenant de Cyrène permet de conclure à l'existence dans cette cité d'un système d'entraînement militaire de jeunes gens qui remonte au moins aux années 30 du 4e siècle et donc qui est antérieur à la construction du premier gymnase à Cyrène, à la réforme de l'FMI à Athènes et à la diffusion de l'FMI dans le monde grec. Il s'agit manifestement d'une tradition locale dont la spécificité consistait en deux éléments. Donc d'abord, il y a une appellation particulière des jeunes gens, ils s'appellent Trakatus, 300, et ils sont soumis à des magistrats qui sont appelés à leur tour Trakatiarchae, chef des 300. Et nous avons des gloses qui nous expliquent, notamment Aristophanes de Byzantium, qui nous dit que c'était une appellation locale des éphèbes. Hésychus aussi dit la même chose. Et la deuxième spécificité locale, c'est évidemment l'apprentissage de l'équitation qui apparaît également dans le programme de l'entraînement des éphèbes macédoniens au IIe siècle, mais qui ailleurs est très rare. Je renvoie ici à l'ouvrage, à la thèse de Jérémy Clément qui doit apparaître, peut-être déjà apparu, je ne suis pas au courant en tout cas, mais qui doit apparaître et qui aborde ces questions. Donc évidemment, les conditions géographiques et la menace que représentait pour Cyrène les tribus nomades expliquent la place particulièrement importante de la cavalerie dans les forces armées, le rôle social des grands propriétaires fonciers et éleveurs des chevaux à Cyrène. Et dans ces circonstances, on ne s'étonne pas que les Trakatioi, une fois intégrés à l'issue de l'entraînement dans l'armée de Cyrène, servent comme cavaliers et non pas comme hôpites ou soldats légèrement armés, comme ça se fait ailleurs. Je me réfère évidemment ici à plusieurs études de Giuseppe Cordiano qui a consacré à ces questions. Et Giuseppe Cordiano considère que ce système local, donc, qui est d'origine, qui est plus ancien que l'FMI, aurait connu une réforme dans la première moitié du IIIe siècle. Et cette réforme aurait consisté d'abord dans la construction d'un gymnase et l'emplacement, pour ainsi dire, de l'entretien de jeunes cyrénéens à l'intérieur de cet édifice. Et deuxièmement, une deuxième réforme qui va logiquement avec la première, la création d'une nouvelle magistrature, celle des gymnasiarques, désormais préposée à l'entraînement des jeunes cyrénéens. À côté donc des Trakatiarchoi qui continuent à exister, nous avons un gymnasiarque. Donc, ces deux nouveautés peuvent être interprétées comme des produits d'importation introduits à Cyrène sous l'influence d'un modèle d'entraînement de jeunes que l'on voit à l'œuvre dans d'autres cités à cette époque. Mais, malgré cette ouverture aux influences extérieures dans ce domaine, les Cyrénéens ont gardé, jusqu'à la fin de la période hellénistique, une spécificité de leur système originel, l'appellation de leurs jeunes Trakatioi, qui ne sont jamais, jusqu'à la fin de la période hellénistique, appelés faible. Donc, j'interprète ce phénomène comme l'expression de l'attachement des Cyrénéens à leur identité institutionnelle locale, un refus, à tout le moins formel, de suivre une tendance générale dans ce domaine.
Voilà. Maintenant, je passe à le dernier cas que je voudrais citer à l'appui de mon interprétation, est celui de l'entraînement de jeunes macédoniens dans les cités macédoniennes à l'époque de Philippe V. Il s'agit, à mon avis, d'un cas diamétralement opposé à celui de Cyrène et de ce fait particulièrement intéressant. Donc, nous savons tous que l'organisation de l'entraînement des jeunes macédoniens nous est très bien connue grâce à deux documents exceptionnels, à savoir la loi gymnasiarchique de Beroia, qui date vers 180 avant notre ère, et de la loi éphébarchique d'Amphipolis, qui, dans l'état actuel, date de 24-23 avant notre ère, mais dont l'original remonte, là encore, à l'époque royale, à l'époque de Philippe V. La question est de savoir s'il s'agit d'une copie conforme d'une loi royale ou plutôt d'une citation, pas toujours ordonnée, d'une telle loi et d'autres textes. Cette question, qui est l'objet d'une vive discussion, notamment entre Denis Rousset et Miltiades Hatzopoulos, n'a pas besoin de nous préoccuper. Pas plus que le contenu de cet entraînement qui a été déjà étudié en détail. Je voudrais attirer votre attention seulement sur une question qui, à mon avis, n'a pas été soulevée dans cette discussion. L'entraînement des jeunes macédoniens accuse une ressemblance frappante à l'entraînement des effets paténiens. Miltiades Hatzopoulos va si loin qu'il considère même que l'auteur du texte original de la loi éphébarchique d'Amphipolis, c'est-à-dire le roi Philippe V ou plutôt son entourage, s'inspire directement dans ses formulations de la description de l'éphébie dans la constitution des Athéniens attribuée à Aristote. Quoi qu'il en soit, l'imitation du modèle athénien directement ou indirectement me paraît ici évidente. Or, ce qui est frappant, c'est que le royaume de Macédoine connaissait, en ce qui concerne l'intégration des jeunes dans la société des adultes, sa propre tradition. Il change au rite d'intégration des pages royaux pratiqués dans le milieu de la cour macédonienne et étudiés par Miltiades Hatzopoulos. Ces rites d'intégration des jeunes semblent pourtant n'avoir exercé aucune influence sur l'organisation de l'entraînement des jeunes macédoniens à l'époque de Philippe V. Autrement dit, au moment où le roi et son entourage, à qui il faut certainement attribuer l'invention du système décrit par les lois de Beroia et d'Amphipolis, ont décidé de transformer les gymnases dans les cités macédoniennes en des lieux de préparation de jeunes macédoniens au service militaire dans l'armée royale, ils ne jugeaient guère utile de s'appuyer sur la tradition locale macédonienne, mais ont préféré d'emporter en Macédoine un modèle bien répandu dans le monde des cités et dont les origines remontent à l'éphébie athénienne. De ce point de vue, ils ont donc adopté une attitude opposée à celle des Cyrénéens qui, au moins au niveau du vocabulaire institutionnel, sont restés fidèles à leur propre tradition. Donc, dans la deuxième partie de mon intervention, je voudrais me concentrer sur quelques divergences par rapport au modèle athénien de l'entraînement de jeunes. Et pour illustrer ces divergences, j'ai choisi deux cas. D'abord, celui qui concerne le lien entre l'éphébie et le gymnase, et le deuxième, celui qui concerne les classes d'âge. Donc, d'abord, le lien entre l'éphébie et les gymnases. Pour quiconque travaille sur le monde des cités hellénistiques, il est évident que l'entraînement des jeunes se fait dans les gymnases. Cette évidence nous fait souvent oublier que tel n'était pas le cas dans l'Athènes du IVe siècle où l'éphébie est née. Dans l'Athènes classique, les éphèbes utilisent certes les gymnases, mais à côté d'autres groupes statutaires, dont les soldats. Une bonne partie de l'entraînement des éphèbes se déroule d'ailleurs dans d'autres endroits. Par ailleurs, les gymnases athéniens du IVe siècle ne ressemblent guère à ces édifices impressionnants que l'on trouve à l'époque hellénistique à Priene, à Pergame ou ailleurs. La tradition littéraire nous a transmis les noms des trois gymnases, Académeia, Lycaeon et Kinosarges, mais nous ne savons presque rien, il faut l'avouer, sur leur fonctionnement et sur leur organisation. Qui plus est, la localisation, l'identification matérielle et la datation de ces établissements restent des problèmes épineux de la topographie, de l'archéologie d'Athènes. Je renvoie à l'ouvrage de référence édité par l'École italienne d'Athènes. Le gymnase à Athènes n'est donc pas cette institution primordiale essentiel pour le bon fonctionnement de la cité, que l'on connaît par la documentation provenant de cités du monde grec à l'époque hellénistique. Il en résulte que le modèle selon lequel l'entraînement des éphèbes se déroule à l'intérieur du gymnase
et selon lequel le gymnase et avant tout les domaines des éphèbes n'est pas d'origine athénienne et a été inventé ailleurs. À quelle cité faut-il attribuer cette invention? I don't know. Ce que je sais, c'est que la première attestation assurée provient du Millet et date d'entre 262 et 260. C'est un texte très connu et très intéressant. Il s'agit donc d'un décret que les Milésiens votent en réponse à une lettre de Ptolémée. Je signale, avant de revenir au texte, je signale que ce texte a été récemment, c'est à mon avis la dernière étude de ce texte, étudiée par Alice Bencivenni. Et donc, on trouvera toutes les références. Donc, c'est un décret par lequel la cité de Milet répond à une lettre de Ptolémée II et par lequel elle décide de conclure un traité d'alliance et d'amitié, Sumachia Caiphilia, avec ses rois. Et de plus, il décide de valider ce traité, d'abord ponctuellement par tous les citoyens après les votes de ce décret, et ensuite perpétuellement par les éphèbes qui, tous les ans, à la fin de leur service, prêteront le serment de fidélité à l'égard de Ptolémée. Vous avez la citation, le passage le plus important en gras. On voit donc bien ici que les éphèbes sont considérés comme les représentants des générations futures, comme pour ainsi dire la cité en devenir. D'accord? Et donc, ce texte prouve, comme vous le voyez ici, que dans la cité de Milet, à cette époque, terminait l'éphébie, quittait ta nomizena suntere santes, ayant accompli toutes les choses nécessaires, légales pour accomplir le service, se dit se libérer du gymnase, apoluontai ectu gymnasiu, donc c'est-à-dire se libérer des activités du gymnase. C'est le premier cas connu de ce lien étroit entre le service éphébique et les activités du gymnase, et le premier cas connu d'Athènes où le gymnase peut être considéré comme le domaine des éphèbes. À côté de cette première innovation qui consiste à placer, pour ainsi dire, l'entraînement éphébique à l'intérieur d'un édifice réservé exclusivement à cet usage, nous avons une autre innovation qui complète logiquement la première. Le gymnase devient une institution publique et est mis sous le contrôle de la communauté par le biais du gymnasiarque élu annuellement. Donc, je cite la bibliographie à ce propos. Écrivant dans les années 30 du IVe siècle, Aristote mentionne certes la magistrature des gymnasiarques, qui connaît cette magistrature, mais la classe parmi les magistratures d'importance secondaire est connue seulement dans les cités les plus riches. L'Athènes du IVe siècle, quant à elle, ne connaît pas du tout la magistrature du gymnasiarchie. À Athènes, la gymnasiarchie est une liturgie, c'est-à-dire un service financier imposé à des citoyens riches et qui consiste à assumer les frais de la préparation d'une équipe de jeunes gens qui, à l'occasion de certaines fêtes athéniennes, participent aux courses au flambeau. Force est donc de constater contre la situation mentionnée par Aristote et celle que l'on voit à l'œuvre dans maintes cités du monde hellénistique, où la gymnasiarchie fait partie des magistratures les plus importantes, il y a eu un changement radical qui reflète un nouveau rôle civique attribué au gymnase. Quant à la date de ce changement, on constate que le premier cas connu de la gymnasiarchie magistrature est celui de la cité thessalienne de Ferraille, Ferme, qui avait établi à un moment donné une liste de gymnasiarques élus à partir du moment où les citoyens de Fer se rendirent en Asie avec Alexandre. Vous avez ce texte sur l'écran. Évidemment, l'élection Haere Trentes est une restitution de Christian Habich, donc sujette à caution. Mais si on se fie à ce texte, les citoyens de Ferraille aurait donc commencé à désigner des gymnasiarques au moins à partir de 334. Comme souvent, les modalités de ce changement ne sont guère perceptibles. À une exception près, la très petite cité de Corésia, située sur l'île de Corkéos, nous a livré un document unique datant de la deuxième moitié du IIIe siècle
qui permet, pour ainsi dire, de toucher des doigts ce changement entre les deux systèmes. Donc, il s'agit d'une loi réglant l'organisation du fait et qui est extrêmement intéressante pour notre propos, notamment à cause de la proximité géographique entre Chéos et Athènes et par conséquent des liens que l'on peut hypothétiquement postuler entre ces deux cités. Et ces liens sont établis aussi de façon matérielle, puisque, comme l'a montré Stephen Tracy, il a réussi à identifier le graveur de cette inscription avec un graveur attique actif entre, vous avez les dates sur l'écran, donc à la fin du IIIe siècle, évidemment, ce qui oblige à baisser sensiblement la date de cette inscription, mais ce qui est très intéressant pour nous, puisque nous avons, encore une fois, ce preuve matériel de relation entre Chéos et Athènes, soit les Corésiens avaient commandé cette inscription dans un atelier athénien, soit, n'ayant pas de graveur sur place, ils ont fait en venir un à Athènes. Quel que soit le choix entre ces deux hypothèses, nous avons là une preuve de circulation du savoir-faire entre les deux cités. Et donc, ce texte prévoit donc, il s'agit d'une loi, et ce texte prévoit de rehausser l'éclat de la fête en question par un concours dont l'organisation reviendra au probuloi. Et on précise, je vais peut-être lire quand même ce texte, in addition to it, the probuloi shall institute a contest during the festival, et nous avons le prix de ce le budget, and gymnasia shall be chosen at the same time as the other offices are fixed. Hieraistrai dekai gymnasiarchon hamatais allais archais. Donc, c'est une preuve qu'on choisit, on élit pour la première fois gymnasiarch, shall be not less than 30 years old. Et this magistrate shall organize a torch race for the youngsters at Neoteroi at the festival and shall be responsible for the other matters relating to the gymnasium. Kaita alla epimelestrae ta catato gymnasium. Donc, quelques points méritent d'être soulignés. Au moment de l'adoption de cette loi, il existe à Corésia un groupe de jeunes appelé Neoteroi. Le statut de personne appartenant à ce groupe est déduit de la clause sur l'amende qui se trouve à la fin que le gymnasiarque sera susceptible d'infliger aux néo-terreux. Récalcitrant, il semble qu'ils sont adultes, donc ce ne sont pas les éphèbes, mais ceux qui sont déjà intégrés dans le corps civique. Et voilà, ce groupe existe, mais le programme d'entraînement qui leur est imposé semble être une nouveauté, inventée, disons, introduite par avec ce loi. Et il s'agit donc d'un entraînement qui n'est pas très intensif, mais qui, à une exception près, ressemble aux exercices des éphèbes athéniens, puisque nous avons ici le tir à l'arc, le lancer du javelot et le maniement de la catapulte. Il manque juste la hoplomachia, ce qui est peut-être compréhensible dans le cas d'une cité aussi petite que Corésia, qui n'avait peut-être pas besoin d'hoplite. Et outre l'entraînement militaire, la loi impose à ce groupe de néo-terreurs définis le devoir de participer à la course au flambeau. D'apparence banale, ce point est capital pour notre propos. En effet, en adoptant cette loi, les Corésiens imposent à leur groupe de néo-terreurs deux types de devoirs, des exercices militaires et la participation à une course au flambeau, en établissant de la sorte un lien entre ces deux activités. Or, s'il est bien probable que, d'une part, l'entraînement militaire de jeunes était certainement pratiqué à Corésie avant cette loi, et que, d'autre part, les courses au flambeau sont une cérémonie assez banale dans le monde grec, il est certain que l'idée d'associer les deux pratiques à l'intérieur d'un même service, de les confier à un seul et même groupe de jeunes, est une invention athénienne. C'est ce que font les Athéniens. Les éphèbes athéniens au IVe siècle, ils s'entraînent militairement, ils participent aux courses au flambeau. On peut donc affirmer que dans ce domaine, les Corésiens imitent le modèle athénien. Mais par rapport à ce modèle, on observe des différences. Voilà, à la différence, donc, comme à Athènes, à Corésia, c'est le gymnasiarque qui organise la course au flambeau. Mais à la différence d'Athènes, à Corésia, la gymnasiarchie n'est pas une liturgie, mais une magistrature, archaïque. Apparemment, à ce propos, les Corésiens se réfèrent à un autre modèle que le modèle athénien. Et cette institution du gymnasiarque semble être instaurée
pour la première fois en vertu de cette loi, ce qui montre que son intérêt pour l'histoire de cette institution et pour l'histoire et pour notre conférence. Je passe au dernier point, pardon, deuxième divergence, mais là je vais être très brève. Mes remarques, il s'agit de la deuxième classe qui s'exerce au gymnase. Donc, comme tout le monde le sait, dans de très nombreux gymnases du monde grec, à côté des éphèbes, s'entraîne le groupe des jeunes appelé Néoï, appelé également Néaniskoï ou Néotéroï, c'est-à-dire les ceux qui ont déjà atteint l'âge adulte, mais qui sont encore considérés comme jeunes, on pourrait traduire jeunes adultes, et à ce titre, continuent à se former. Alors, on peut dire qu'il s'agit souvent des gens entre à peu près 20 ans et 30 ans. Et nous sommes, donc, évidemment, de nouveau, nous sommes tellement habitués à cette image que nous ne posons pas la question sur les origines, sauf deux auteurs que je cite, voilà, qui posent cette question et qui ont travaillé sur ces questions. Or, ces origines ne sont certainement pas athéniennes, car à Athènes, ce groupe semble n'avoir jamais existé. Il n'y a pas de Néoï ni Néaniskoï à Athènes. Il n'y a jamais eu de groupe de ce type. Force est donc de constater que les Néoï, Néaniskoï, comme une classe d'âge s'entraînant dans le gymnase, donc l'idée de confier, d'élargir l'entraînement de jeunes gens à ce groupe a été inventée par une autre cité. Cette invention paraît tout à fait logique. Les besoins pratiques et la volonté d'assurer une bonne formation militaire et sportive d'un large groupe de jeunes citoyens ont incité des cités à élargir l'entraînement dispensé dans les gymnases à une classe d'âge supplémentaire, celle des jeunes plus âgés que les éphèbes. Mais nous voudrions savoir quelle cité a été la première à avoir eu cette idée, et on ne le sait pas. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la première attestation de ce système, de l'entraînement des jeunes gens dans les gymnases locales, provient d'Ilion, en Asie mineure. La date de ce document est l'objet d'une controverse. Il s'agit d'un décret en l'honneur d'un roi qui s'appelle Séleucos. Je pense qu'il y a quand même des bons arguments pour identifier ce Séleucos avec Séleucos Ier. Et donc, ce décret est antérieur à la mort de Séleucos en 1281. Et donc, nous savons ici une date dans l'histoire de cette institution. Évidemment, le terme Néaniskoï connaît une histoire très intéressante en Béotie, dans les cités béotiennes. Il apparaît dans le même contexte, mais cette question vient d'être étudiée par Yannis Kaliantis. Vous voyez un livre tout frais qui vient de paraître, et j'avoue ne pas avoir consulté cet ouvrage, donc je préfère ne pas m'engager sur cette voie, et je vous renvoie tout simplement à ce livre. Donc, deux mots de conclusion. Il me semble que les institutions éducatives des cités hellénistiques et plus concrètement, l'entraînement militaire et sportif que les cités organisent pour leurs jeunes, c'est-à-dire pour les adolescents au moment du passage vers l'âge adulte, entraînement qui, du point de vue anthropologique, est une forme d'intégration des jeunes dans la communauté des adultes, montre la force de l'influence du modèle éphébique athénien. Cette influence me semble indéniable. Cependant, l'analyse des cas connus montre également que les cités qui reprennent ce modèle ne le font pas mécaniquement, mais l'adaptent à leur propre système. D'où ces divergences par rapport au modèle athénien, dont nous ne parvenons pas à identifier systématiquement les origines. D'où également une grande diversité des solutions locales qui rendent la problématique de notre conférence tellement intéressante, mais aussi tellement difficile. Je vous remercie de votre attention.